Et nous sommes mardi, comme chaque semaine, nous parlerons politique avec Wilfried. Bonsoir à vous. On laisse de côté les régionales pour s'intéresser à la présidentielle dès maintenant. Bonsoir Florane, la présidentielle, c'est vrai, c'est encore loin, c'est 2017, mais déjà chacun se positionne et le mot qui revient le plus souvent en ce moment, c'est le mot primaire, ce vote avant l'heure qui permet à un camp de désigner son candidat. À gauche, on avait lancé ce dispositif en 2011, c'était une primaire ouverte à tous les électeurs, pas uniquement aux adhérents socialistes ou des autres formations de gauche. Près de 3 millions de personnes s'étaient ainsi déplacées aux urnes et avaient fait le choix de François Hollande devant Martine Aubry. Rien ne dit qu'à gauche, on renouvelle cette expérience, on imagine mal François Hollande s'il les candidats à sa propre succession se mettre en concurrence avec les autres ténors du PS. Du coup, certains commencent à exercer une certaine pression. Benoît Hamon, député des Yvelines, par exemple, a annoncé qu'il aimerait bien être candidat à une primaire. C'est donc à droite que les choses s'accélèrent. C'est ce mardi soir que Nicolas Sarkozy, président des Républicains, doit annoncer la nomination de la haute autorité chargée de contrôler le bon déroulement des primaires et de leur organisation. La primaire pour la droite se déroulera le 20 et le 27 novembre 2016, si nécessaire. Quelques noms, Alain Juppé, François Fillon, Xavier Bertrand, Nadine Morano, Christian Estrosi. Uniquement si Nicolas Sarkozy ne se présente pas, c'est lui-même qui l'a précisé. Et puis, depuis la fin de la semaine dernière, Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate adhérent à l'UMP, député des Yvelines. Il s'est déclaré dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Et finalement, pourquoi cette candidature, Wilfried ? Tout simplement car il ne se retrouve dans aucun des autres candidats et il le dit très clairement puisqu'on lui a posé la question. Écoutez. Ils sont engagés dans une espèce de guerre de chef que nos sympathisants d'abord, mais au-delà, l'ensemble des Français n'aiment pas, n'apprécient pas, en tout cas c'est ce qu'ils me disent tous les jours. Deuxièmement, je trouve que les projets qui sont défendus aujourd'hui sont sur une ligne qui est très très libérale et beaucoup trop à mon goût, et ça n'est pas la philosophie du Parti chrétien-démocrate que je représente dans cette élection. Ça n'est pas non plus, je crois, les besoins du pays qui réclament certes de la liberté, mais également du partage, de la générosité, de l'ouverture. Et troisièmement, je constate également que la perte de crédit dont souffrent les candidats qui sont aujourd'hui déclarés, qui est dû au fait que finalement ils ont beaucoup participé aux affaires dans les mandatures précédentes, ne leur permet pas aujourd'hui, à mon avis, de solliciter tranquillement la confiance des Français. Jean-Frédéric Poisson, c'est ce proche de Christine Boutin. Il lui a d'ailleurs succédé à la tête du Parti chrétien-démocrate, député des Yvelines, sur le secteur de Rambouillet. Il a surtout fait parler de lui en mobilisant contre le mariage pour tous. Et maintenant, il va devoir dépasser, aller au-delà de cette image. J'ai travaillé depuis 8 ans maintenant dans les couloirs de l'Assemblée nationale et dans toute la France sur des sujets extrêmement divers. Je suis très investi sur tout ce qui touche aux conditions de travail, à la santé au travail, aux relations sociales dans l'entreprise. J'ai beaucoup travaillé sur d'autres questions de société, les questions de la toxicomanie. Je travaille beaucoup sur le pouvoir d'achat des familles, sur les institutions, sur les collectivités. Et maintenant, le moment est venu de faire fructifier, de présenter aux Français tout ce travail que j'ai accompli dans une certaine forme de discrétion, c'est vrai, à l'Assemblée nationale. Jean-Frédéric Poisson, outsider dans cette primaire, mais il occupe le terrain, il est régulièrement invité dans les médias nationaux, il évoquait encore ce matin sur RMC le suicide assisté en rappelant que la justice devait rappeler l'interdiction de tuer, et puis en juillet, coup d'éclat, il était en Syrie, parti rencontrer sur sa propre initiative Bachar el-Assad. Et à droite, que pense-t-on de cette candidature ? Alors c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui le connaît bien pour lui avoir confié par le passé la tête de la mairie de Rambouillet, qui nous répond. Il est légitime que M. Poisson puisse se présenter à l'élection primaire pour les familles du centre et de la droite. Moi-même, je suis un peu le sage de la commission d'organisation de ces primaires. Je souhaite que les choses s'y passent bien, loyalement, qu'il y ait un maximum de votants, de ceux qui se reconnaissent, et je ne parle pas de militants politiques, de citoyens, dans les familles du centre et de la droite, des gaullistes, et puis le candidat qui sera choisi, ça deviendra le candidat de tous, et je l'espère, il sera le président de la République. La guerre de la primaire se poursuit à droite, verdict donc fin 2016. Attention tout de même, c'est un exercice risqué. Après la campagne, il faudra se rallier derrière le vainqueur. Gare donc à ne pas frapper trop fort pendant la campagne.